Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui unboxing avec la boutique Pan Somwe. Nous avons discuté pour le choix des kits que j'ai pris aujourd'hui le 4 novembre et j'ai reçu vers le 17-18 novembre mon colis, mon petit paquet. Là nous sommes lundi, on est le 20-21, donc j'ai mis quelques jours avant de refaire la vidéo, j'ai pas pu la faire avant. Mais bon, c'est pas très grave, le principal c'est que ce soit fait. Alors je vais vous présenter aujourd'hui une broderie et un DP. Voilà, donc il y en a pour tout le monde aujourd'hui. Je vais me mettre face bureau pour vous présenter ces articles et on se retrouve tout de suite. Nous voici. Alors on va commencer par la broderie. Alors, vous voyez, déjà, il y a déjà des belles couleurs. D'abord, on a un petit toolkit. Voilà. L'enfil aiguille, l'anneau, le pompon, les 5 aiguilles, comme d'habitude. Et ici, c'est le sachet avec la petite fleur. C'est une broderie 50 sur 73 cm. Donc, c'est une grande. Elle est en 11 CT. Alors, c'est de la compagnie sans nom. Et voilà le dessin. Ça faisait un moment que je la voyais, cette broderie. Je me disais toujours, bon, je la prends, je la prends pas, je la prends. Bon, et puis là, bah, je l'ai pris. Voilà. Celles qui aiment le rose vont aimer. N'est-ce pas les copinettes, la team rose? Alors, le patron. Alors, il est grand, donc je vais avoir du mal à vous le montrer en une seule fois. Je vais essayer. Bon, je peux pas mieux. C'est rien. Alors, bah, on voit bien le personnage. Vous voyez ses cheveux, on voit ses yeux. On a combien de couleurs? On a 50 couleurs. Donc, il va y avoir du détail. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a du gros confetti. Il y a des blocs, il y a des petits blocs. Mais du gros confetti, je ne pense pas. Voilà. Alors, je vous remontre l'image en détail. Voilà. Et le patron. Toujours très bien imprimé, vous voyez. Et vous voyez, il n'y a pas vraiment de confetti. Hein. Voilà, vous voyez. Un petit peu ici, mais bon, rien de très grave. Non, ça va. Vous voyez, il y a du bloc hein, quand même. Alors, niveau des symboles. La première colonne, c'est les numéros sur la plaquette de fil. Deuxième, c'est les symboles. Troisième, la DMC. Et la quatrième colonne, ce sont les couleurs réelles que vous allez broder. Donc, je vous montre les symboles. Je n'aime pas. Ah, arrête de flouter. Bon, il veut pas. Il veut pas. C'est parce que je l'aime pas. Vous voyez, cette flèche verte là, je n'aime pas. Je trouve ça trop fin. Il y en a quelques-unes. Donc voilà. Alors, on n'a pas le 5200. On n'a pas le 939, mais on a du 310. Voilà. Alors, niveau couleur. Ben, on a de l'échevette hein, supplémentaire. Alors, celle-ci. Alors, un joli rouge. Alors, il est un peu plus foncé que ce que vous voyez. Hein. C'est le
600. Ici, un autre rouge. Très beau. Celui-là, c'est le 304. Celui-là, le 304, on s'en sert souvent dans les monochromes, les anciennes broderies. Ici, allez, arrête de flouter, voilà. Alors, il est là, vous le voyez un peu marron, je trouve, mais il est, c'est un bordeaux. Hein. Et là, c'est le 902. Et les couleurs, alors un gros paquet. Alors, on va détouiller tout ça. Comme on dit dans le Nord, on détouille. Allez, je vous montre d'abord la première plaquette. Ben, du coup, là, il va y avoir beaucoup de du violet, du bleu, du rose, hein, bien sûr. Vous voyez, des vieux roses, des prunes. Enfin non, c'est plus un bordeaux aussi, celui-là. Là, il est plus foncé, hein, celui-là. Ils sont très belles. Et le gros paquet. Alors, du rose, du bleu. Là, le noir, bien sûr. Un rouge à côté. Des différents beiges. Du vert, du bleu. Un gris foncé. Ici, des roses. Attendez. Voilà. Et ici, encore du rose. Oui, il y a quand même pas mal de bleu aussi. Hein. Et encore du rose. Un petit verre d'eau pour finir. Voilà. Donc, des belles couleurs. Et on va... Alors, la toile, je ne pense pas que je vais savoir vous la montrer en une seule fois, parce qu'elle est très grande. Alors, attendez, je vais prendre le téléphone avec moi. J'espère ne pas trop bouger. Pour vous montrer la toile en entier. Et si je monte, est-ce qu'on la voit en entier? Oui. Voilà. Alors, je vais me reposer sur mon support. Donc, voilà. Une très grande toile. Alors, niveau impression. Bah, écoutez, ça m'a l'air bien droit, hein, bien centré. Et on a du bloc hein, quand même. Hein. Voilà, je l'ai laissé plier, c'est plus facile pour vous le montrer. Bon, là, il y a un petit point qui se perd tout seul. Alors moi, quand j'ai un point comme ça, alors qu'il est vraiment tout seul, et qu'il n'a pas de copain du tout à 1 km à la ronde. je le fais dans la couleur principale. Hein. Je ne change pas mon fil pour un seul point. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous voyez, de toute façon, on voit bien, il n'y en a pas ailleurs. Donc, je ne vais pas faire une aiguillée pour un point. Donc, je le passe dans la couleur principale. Vous voyez, les voilà ici seulement, ces petits copains. Donc, un là pour aller jusque là, non. Voilà, là, c'est dans le personnage. Bon, il y a un peu de changement, mais c'est quand même du bloc, hein, vous voyez. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de grosses difficultés. Donc, voilà. Alors, avec plein de belles couleurs,
là, regardez-moi ça, comme c'est joli. Donc cette petite broderie, si on peut dire petite, elle est à 14,99 $. Voilà. Alors, deuxième et dernier article de la boutique Pensomwe. C'est un DP. Alors, bon, il a un peu souffert du voyage, oui. Il est un peu chiffonné. Là, je viens de remettre le plastique un peu bien tendu. Bon, là, c'est une broderie qui frotte. Un DP qu'il faudra repasser, donner un petit coup de fer avant de le faire. Donc, le fer, je rappelle, donc dans ce sens-là, avec une serviette éponge dessus, et on repasse. Alors, moi, des fois, je peux mettre un petit peu de vapeur, mais alors très rapide, et je remets au sec aussi pour pas que ça reste humide. Voilà. Vous pouvez repasser. Vous avez qu'à. Si j'y pense et si. Ben, si j'y pense et si j'oublie pas, c'est la même chose. Je vous mettrai dans le i le lien de ma vidéo comment repasser son DP avant de le faire. Alors, on a le petit toolkit, hein, comme d'hab. Bon. Et on a. Alors, j'ai oublié de regarder le nombre de couleurs. 20 couleurs. Alors, je vous montre les couleurs. Donc, on va avoir des belles couleurs, hein. Jolie jolie couleur, un peu neutre comme couleur, mais très belle. Ici un joli bordeaux. Ah non, c'est un marron. Non, c'est un bordeaux. Oui, c'est un bordeaux. Excusez-moi, vous le voyez un peu marron, mais c'est un bordeaux. Donc elles sont en sachet chapelet. Coupées par couleur. Marron foncé. Voilà, on en a quelques-uns. Du beige rosé. C'est notre copain le 310. Ça va, il n'y en a pas beaucoup. Et pour terminer, celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez, on a des belles couleurs. Et pour faire. Voilà, une jolie kokeshi. Donc, c'est une 30-40 en perles rondes avec 20 couleurs. Donc, ici en haut, vous retrouvez la référence du DP. Par contre, la référence n'est pas marquée sur les sachets de perles. Donc, si vous voulez ranger à part, pensez à mettre la référence du DP sur un petit sachet, sur le petit sachet. Vous retrouvez les légendes en haut à gauche, en bas à droite, et ici quelques petites explications pour vous dire comment on fait un DP. Alors, niveau impression. Ah, écoutez, ça va, hein? Niveau colle, ça colle. Attendez, je remets bien. Hop, voilà. Vous voyez. Il n'y a pas de. Bon, à part ici, peut-être un petit peu, mais bon, ça va. Il n'y a pas de confetti, hein, c'est beaucoup des blocs. Il n'y a que les rosaces, là.
Non, c'est nickel. C'est nickel. Bon, à part qu'il faut, va falloir lui donner un petit coup de fer, mais bon, ça, c'est pas grave. Alors, ce DP, il est au prix de 4,99 $. Voilà, donc pas cher. Donc voilà, bah écoutez, alors je vous ai présenté donc ce DP et je vous ai présenté cette broderie donc qui viennent tous les deux de la boutique Pain de Saumouet que je remercie énormément pour leur générosité. C'est pas la, ça fait déjà de nombreuses fois que je fais des partenariats avec eux et c'est toujours nickel, hein, sans problème. Voilà, livraison rapide, qualité, prix, tout y est. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette boutique. Hein. Je vous mets le lien en barre d'infos pour retrouver la boutique et les articles que je vous ai présentés. Si j'ai d'autres renseignements à vous rajouter, je vous les mettrai en barre d'infos. Et là, pour l'instant, ben, moi, je vais vous laisser. Et puis, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bisous, bisous, à bientôt.